pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second bash for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your to the moon. Woo! Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Woo! Everywhere I go, they be like, mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux. Quel bonheur d'être de retour sur une de mes nombreuses propriétés, je crois me souvenir de celle-ci plus ou moins. Les choses ont bien changé tout de même, hein. Ça fait quand même que 7 ans que je suis pas venu par ici, le domaine m'appartient toujours, hein. Maintenant que j'ai atteint le milliard, on va pas se mentir que je suis plus en contact avec tous les employés, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est une sous-traitance maintenant ici, ça a changé la marque, hein. C'est vrai que depuis l'empoisonnement... Bon, je préfère ne pas en parler... Depuis l'empoisonnement, on a préféré réorienter un petit peu la... Ah merde. On a préféré réorienter un petit peu la direction de la marque. Il y a eu des petits changements, quoi. Il y a eu des petits problèmes en 7 ans, quoi. Hein. Non, les sangliers ont été tous transférés dans mon domaine de Dubaï. Ils ont tous été élitreuillés. Hélas, certains ne sont pas arrivés en vie. Je me suis tout de même amélioré, hein. Maman ? Maman ? Bon. À quoi ça sert de payer une maison à sa mère si c'est pour qu'elle y foute jamais les pieds ? La boîte, elle a failli couler 1000 fois quand c'était les parents qui s'en occupaient. Et bah c'est Dodo qui a tout redressé ! Ah mais oui, c'est cette ville-là, je me souviens maintenant de ce chemin. C'est cette ville où j'ai failli devenir maire. Ah oui, oui, oui. Qui c'est qui avait gagné ? Oh, je me souviens plus, probablement rien d'extraordinaire. Ouais. Oula ! Et ben voilà! Voilà l'état de la municipalité! Quand on laisse la ville à un putain de clébard! Non mais regardez! Regardez ça! À une époque... Je suis pas un grand fan de publicité, hein, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Et j'aime pas les choses qui bourrent le crâne des gens. Mais à une époque... Ça avait quand même de la gueule, hein. Ça avait quand même de la gueule, hein. Bon, après, ça, c'est mon slogan à partir du moment où j'ai racheté 51% de la Maze Bank. Du coup, bah forcément, invest in the red. Bah, c'est dodo, quoi, hein, bien sûr. Mais bon. À une époque, ça avait quand même plus de cachet, quoi. Hein. Ok. Voilà, c'est parfait. Oh ! Bah, t'es déjà là ?
Non mais c'est pas possible, j'essaie de me faire discret depuis tout à l'heure parce que j'ai des choses à faire et il y a 10 000 personnes qui arrivent. Non mais j'en peux plus. Et qu'est-ce que tu fais dans les plantes? Mais Donatien? Bah oui, qu'est-ce que tu fais dans les plantes, qui dit? Bah, mais toi aussi t'es là. Mais tout le monde est invité, mais c'est incroyable. Mais je... Comment ça tu savais pas que je venais? Ça a fait la une de tous les journaux que je revenais à Los Santos. Bah, je m'en fous. Enfin oui. Qui dit? Non mais on te voit dans les journaux toutes les semaines, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Toutes les semaines, quand c'est des mauvaises semaines, hein. Machin, Donatien a acheté un internet, mais c'est bon, on te voit partout, j'en ai marre, moi. Bah désolé, excuse-moi d'avoir un peu de succès, quoi, qui dit, hein. Ah mais je t'excuse, mais tu pourrais peut-être envoyer un message de temps en temps, non? Oui, non, bien sûr, mais... En fait, je dis à Fab de t'écrire, mais... Mais à chaque fois, il oublie de le faire, et... Mais je lui rappelle tout le temps, t'inquiète, hein. Super, ok. Salut les petits. Ah, salut les petits. Ça fait plaisir de vous voir, Dom Delo, ça fait longtemps là. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Bonjour, docteur madame, bonjour, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, à qui appartient ce véhicule? Société de taxi. La société de taxi? Yeah. Ah oui, je vois qu'il s'inspire des plus grands. Mais effectivement, c'est une très très belle voiture. C'est hein. À la limite du plagiat. La limite du plagiat, hein, excusez-moi, là vraiment, même les roues, excusez-moi. Bon, Tim, t'as des nouvelles de Fab? Fab, non, pourquoi j'aurais des nouvelles de lui? Ok. Pour rien, Tim, ne t'inquiète pas, ok. Ok. Pas de soucis. Non, y'a aucun problème. Tu sais que moi et Fab, on travaille encore ensemble et qu'on se parle très régulièrement, tu le sais, ça, Tim. Hein, ça. Ah oui, vous êtes toujours. J'ai vu les news, vous êtes devenu le milliardaire le plus connu. Oh bah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les news, hein. C'est les news, hein, tout à fait. News que j'ai racheté, hein, d'ailleurs, bien sûr. Évidemment. Okay. Enfin, ça n'a aucun rapport, hein, bien sûr. Ah. La liberté de la presse, c'est vraiment le plus important pour moi. Tim! Oui? Qu'est-ce que vous diriez? Bah vous me connaissez, hein. Je ne peux plus me permettre de acheter tout l'alcool que vous... Non mais, un petit échantillon. Un petit échantillon. Allez, ça reste entre nous, Tim, je vous le donne gratuitement, hein. Vraiment, c'est de la part de Fabien, hein. Venez. De vin rouge, Tal Word. Ça se dit Taloirs, Taloires. Mais ne dites pas que j'ai dit le G-Word dans votre compagnie, Tim, hein, bien sûr. Ok, je dirais ça à peu. Le G-Word est interdit. Okay. Et regardez, mon cher monsieur Donatien. Oui. Et bien, grâce à vous, j'ai pu acheter ce véhicule qui me permet de diffuser mes différents sons à travers le... Waouh. Ouais, c'est... Regardez, ça peut le saffon. Ah oui, il y a les petites enceintes à l'arrière. Bien sûr, c'est ça, oui. Ah oui, oui, ah oui, oula, d'accord. Ah oui, ça fait un petit peu kéké, mais bon, il y avait que... Enfin voilà, ça envoie, quoi. Ça me fait pas du tout kéké. Ah bah, ça fait plaisir, regardez ce que je sais faire dedans. Vas-y. Oh! Wow! Mais attends, il faut que je fasse équiper ça sur toutes mes montées à sac mobile. Ah oui, bah ça, votre vieux tube! Oui. Oh là là, Gontran, vous n'êtes plus en partenaire avec Monsieur Monet? Oula, c'est... Ah, Monet, c'est compliqué, hein, Monet. Vous avez eu des nouvelles de Monet à la fin? Bah, pourtant, non. Toutes les semaines, je lis la nécrologie du journal dans l'espoir de voir son nom, mais hélas, je ne l'ai jamais vu, donc non. Monsieur Moubouya! Ah, Miguel, félicitations! Je vous ai cherché pendant longtemps, j'ai même été en prison parce que je vous cherchais avec Foub dans les vignobles. Tu sais que la première fois que j'ai rencontré Monsieur Moubouyak, il a regardé le patron Lenny et lui a dit, dans les yeux, droit, avec... plus grande fermeté. J'en ai rien à foutre, d'équité, tu peux te faire foutre. Bon, mais Lenny, il a mis un coup de couteau dans son bidet. Hey, j'ai encore la plaie, hein, j'ai encore la plaie, mais bon. Ah, ça fait des souvenirs, hein. C'est quoi déjà le... Oui, pour Saint-Tour. Bien, vous prenez la gâchette, les métalliques, et vous la mettez dans l'éclipse, ça fait clic. Oui, d'accord. Ah oui, ok. Bah voilà, je l'ai fait. C'est bon? Non, mais c'est pas grave, allez-y. Monsieur Moubouyak, je prends le temps, c'est la sécurité avant tout, mettez la Saint-Tour. Ah, quel plaisir, hein, vraiment. Mais c'est votre combientième mariage, là, ce soir? Je n'ai aucune idée. Hier, en fait, j'ai signé les papiers à la mairie, chez les procureurs. Parce qu'ils m'ont dit, oui, en fait, t'es pas marié. Ah bon? Ah bon? Le Yinch avait jamais fait des papiers. Ah bah, évidemment! C'est un chien, il ne sait pas écrire! Exactement, c'est encore un coup du Yinch. Il avait dû japper un coup, et puis c'est tout. Oh là 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 là. Terrible, vraiment, hein. Vous savez que c'est plus Los Santos qu'on a connu. Les gens chouinent pour rien, les gens sont très contents. Ah ouais? Je suis obligé d'étouiller des gens tous les jours. À une époque, c'était la joie de vivre ici, hein. Et tout le monde y avait un peu de respect à part les... Là maintenant, les rues sont vides, je trouve. Mais c'est vide, les gens, ils ne pensent qu'à ça, travailler. Oh là là, quel... Et quand est-ce qu'ils prennent le temps de vivre, Miguel, hein? Vous savez ce qui manque? Non. Quelqu'un comme vous, en mer. Allez, pousse-toi! Pousse ta poubelle, connard!
Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est normal, les gens conduisent n'importe comment dans cette ville. Hein. Bonjour, monsieur Boyd. Lieutenant, comment allez-vous? Un plaisir de vous voir, dans 20 minutes, c'est 20h. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Cuc, hein, bien sûr, bonjour. Bonjour, monsieur Montazac, comment vous allez? Bah écoutez, je n'ai pas changé. Toujours le bon vieux même Donatien, toujours aussi sympathique, humble, gentil, philanthrope, vraiment proche des gens, et voilà quoi. Oui, tout ça, tout proche de, ses, de l'argent, qu'est-ce hein? Vous savez, moi, je suis pas un avare, quoi. Hein. Figurez-vous, ça tombe bien, il y a le lieutenant Cuc qui avait besoin un peu d'argent, vous pouvez lui prêter un peu d'argent? Oui. On a quelques soucis là pour sortir les véhicules de garage. Alors, vraiment, le problème que j'ai, hélas, c'est que j'ai. Je suis très tête en l'air. J'ai complètement oublié de prendre du cash, en fait, sur moi. D'accord. Par contre, ce que je n'ai pas oublié. Oui. C'est. Vous me connaissez, hein, j'ai plus d'un tour dans mon chapeau. C'est quelques petites bouteilles très sympathiques, si ça vous dit, bien sûr. À prix raisonnable. Et d'ailleurs, si vous me donnez cet argent, je pourrais vous en donner une partie pour que vous puissiez récupérer votre voiture. Si ça, c'est pas beau. Ah oui, non, mais ça vaut le coup, là. Une affaire. Vas-y. Donna, ce soir et... à chaque fois que je te vois, tu es plus jeune. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, aucune chirurgie esthétique. Seulement le petit footing de 6h du matin, tu sais, tu connais. Ah ouais, mais c'est impressionnant, hein. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que j'ai 25 de 30. Et je le dis pas, mais là, Cuc, il vient de me donner 100 balles pour une bouteille. Attends. Quoi? T'as pris des bouteilles à vendre? Bah attends, Fab, tu le sais. Je t'ai dit de le faire aussi, tu l'as pas fait. Mais moi j'ai pas pris de bouteille. Fab, c'est pas vrai. Mais t'as pris combien de bouteilles? J'en ai pris une petite douzaine, hein, c'est juste pour les proches, quoi. Ouais, mais pour les proches, mais tu veux un tubé déjà, toi? Non, Cuc, je lui ai rien filé, d'ailleurs. Il m'a filé 100 balles pour une bouteille. Je lui dis, attendez, je vais parler avec Fab, je reviens, je vous donne la bouteille plus tard. Connaissant Cuc, il va oublier la bouteille. Ah, mais non, mais c'est sûr et certain. Et donc là, je me suis fait 100 balles, là. D'accord, en ne vendant rien du tout. Rien. Ok. Rien. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu les affaires qu'on pouvait faire ici. Mais c'est l'avantage des Américains aussi, on peut les... Ouais, les Américains, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. C'est vraiment... Vinas, tu leur vends de la pisse, ils te disent que c'est bon. Tu le sais. Mais du coup, l'objectif, t'as pris 12 bouteilles, l'objectif c'est d'en vendre une centaine, quoi. Oui. Tout en essayant de toutes les garder. Ah, d'accord, donc qu'on reparte avec les 12, mais qu'on en vende une centaine. J'en ai déjà donné une à Tim. D'ailleurs, Tim, toi et Tim... Il m'a dit, je lui ai demandé s'il avait de tes nouvelles, il m'a dit, bon, pourquoi vous me posez cette question? Il était un peu sur la défensive, quoi. Non, ben pour être honnête avec toi, je lui ai un peu déclaré ma flamme à un moment donné. Et, ouais, je me souviens. Et j'ai jamais eu de réponse positive, négative, signe de vie, quoi. Ah d'accord, ok, je pensais pas. Oui. D'accord. Moi, j'ai rien contre Tim, hein, il est quelque part dans mon cœur, mais concrètement, bon. Ah d'accord, oui, non mais je comprends tout à fait, hein. Ouais. Et là en plus, ah ouais non d'accord, parce qu'il n'y avait, ouais. Avait pas que Tim, je me souviens, il y avait aussi comment elle s'appelait déjà. c'est Fab, merde. Ah non mais non, c'est bon. Mais tu le sais. Oh. Mais non, je... Et je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai dépassé 40 ans. Arrête. Attends, c'est bon. Oui, Ellie. Ellie, la femme de ma vie, oui. Quoi? Bon, bah t'as pas eu de nouvelles du coup non plus, c'est ça? Non, pas de nouvelles, Ellie. Est-ce que c'était une raison, Fab, pour te faire... Je suis désolé de remettre ça sur le tapis. Hein. De te faire surprendre avec ces trois putes dans le West London, il y a quelques années, qui a donné... Ça a terni l'image de la boîte, tu le sais. Tu sais quoi, pas tant que ça, tu vois. Non, pas tant que ça, j'ai réussi à m'en sortir un petit peu, et en plus, toi-même, tu le sais pourquoi j'ai été avec ces trois. Mais je sais. J'aime pas trop ce terme, hein, parce que c'était pas des putes, c'était des détentrices de taser. Hein, oui, bien sûr, oui. Et des détentrices de taser, hein. Mais t'as payé grassement, frais d'entreprise en plus de ça, hein, ça c'était vraiment... Ça. Ah bah quand on a dû justifier ça, quand j'ai dû demander à Daniel de me justifier ça, c'était bizarre. Hein. Vous m'avez manqué tous les deux. Bah écoute, un plaisir. J'ai l'impression d'être un mélange entre papa et maman, entre vous deux, mais vous m'avez manqué. Toi aussi, bah, Miguel. Plaisir, Miguel, hein. Bien sûr. Et puis, même Donna, on s'était pas vu depuis 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu avec Fab, effectivement, tu sais, les affaires, hein, on est aux quatre coins du monde tout le temps. Ah ben Globetrotter. Globetrotter, tout à fait. Moi, je passe mes journées entre Dubaï, New York, Moulis en Médoc. Donc vraiment, c'est... Ah oui, assez, ah oui. Et moi, entre Aix, Saint-Saturnin-les-Avignon, et puis...
Bagnole sur 16, c'est en France, Miguel. Un jour, tu verras ça. Oui, tout à fait. Je lui ai donné... Enfin, je lui ai donné. On a décidé que je m'occupais du monde entier dans la boîte et Fab s'occupait principalement du Vaucluse. Exactement. Exactement. Voilà. J'étais à Pertuis semaine dernière, justement, pour vendre 12 bouteilles. On s'est fait 120 balles, quoi. Une dinguerie, tout simplement. Qui fonctionne, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais... On fait fructuer. Ouais. C'est ça. Bah moi, cette semaine, j'ai enlevé un procureur. Ah. J'ai abattu 3 policiers. Ah. Et après, j'ai discuté pendant une prise d'otage où j'avais pris toute la presse en otage. Ah, vous n'avez pas changé, Miguel. Non, mais il faut s'entretenir. Voilà, vous n'avez pas changé. Fois, hein. Je me dis, tiens, je vais refaire les choses dans l'ordre. Et si la police passe, il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais le malin. Attention, bah, attention au burn-out, Miguel, hein, tout de même. Hein. Non, mais je vous connais, vous êtes... beaucoup, Miguel. Hein. Je dois avoir beaucoup d'argent maintenant, Miguel. Hein. Non, ça va. Mon comptable disait 30 millions actifs. Oh, ça va. En vrai, pour Odona, c'est pas grand-chose, hein, si je peux me permettre, Odona. Oh ça, je ne vais pas, je ne vais pas humilier les gens avec ma fortune gigantesque non plus. C'est, hein. Pas, c'est pas le but, moi, j'accepte tous les portefeuilles, plus grands ou plus petits. Hein, bien sûr, bah, t'acceptes, ouais, ça c'est sûr. Hein. C'est là que je vous reconnais, là, l'humilité. Exactement, ça je l'ai toujours dit. Vous quand même, l'humilité. Ah, il est humble. Important. Vous allez croiser ce soir un monsieur qui s'appelle Ryan Benson et ses hommes. Oui. C'est le chef du plus gros cartel d'Amérique du Sud. Ah oui, d'accord. Cet homme, on est vite aidé à le chercher parce qu'il pourrait touiller tout le monde. Donc c'est lui qui décide tout ce qui s'est passé au Santos. Donc potentiellement mon boss. Bon, ça va, Kim? Pas trop stressé pour tout à l'heure? Un peu quand même. Hmm. C'est pas la première fois que vous faites ça. Alors oui, mais là, la différence, c'est que je ne savais pas que vous veniez tous. Ah, c'est une surprise? Oui. Ah, une bonne, j'espère. Oh bah, extrêmement bonne, oui. J'avais plus de vos nouvelles depuis 7 ans. Je me suis inquiété. Je demandais à Fab de vous en donner, il a dû oublier, je pense. Ah. Doucement, hein. Non, mais... On est tous les deux fautifs, quoi, hein. Voilà. Bien sûr. Je ne vous en veux pas, vous inquiétez pas. J'espère bien. Je ne vous en veux pas non plus, Kim. Hein. Okay. Est-ce que tu es prêt, mon cher Fab? Oui, on le fait à 3. 1, 2, 3. 3. Bravo! Bravo! Imaginons qu'il est comme ça. Oui. Pour mon remariage. Oui. C'est hypothétique, attention. Bien sûr. Je n'ai écrit aucun texte. Qu'est-ce que vous verriez? C'est juste hypothétique pour savoir. Si tu veux, je peux t'envoyer des SMS pendant le discours pour te dire ce que tu dois dire ensuite. J'aime bien quand elle lève les fesses le matin des fois, que je peux pas m'empêcher, je passe dessus. C'est-à-dire? Des fois le matin, elle met le cul un peu bombe et je suis là, moi je me cite un peu et puis... Je peux lui dire? Non. Moi je pense que oui. Moi, non Donna, je pense que non. D'accord. Ah, c'est le romantique entre nous deux, c'est Fabien, donc c'est vraiment lui qui va... Hein. Non, je pense que non. Je pense que non. Après j'ai bien dit je pense. Cher ami. C'était pris l'avion là. Docteur Maison. Comment allez-vous, cher ami? Ah bah écoutez, un plaisir de vous revoir, encore merci pour le massage testiculaire il y a 4 ans, hein. Vraiment ça m'a... Ça a bien sorti du pétrin, hein. Mais je sais, cher ami. C'est pour ça que je continue de parfaire cette technique au Vietnam, maintenant. Au Vietnam? Oui, cher ami. Oh, j'ai pris ma retraite depuis. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites au Vietnam, docteur Maison? Eh ben, je continue de pratiquer la médecine alternative et je vais aux putes. Ah bah, bien sûr. Ouais. Hein. Vous n'avez pas changé, hein. Docteur Traoult, aussi, je vois. C'est bien vous? Docteur Traoult? Non, c'est pas... Didier Latour, enchanté. Très heureux de vous rencontrer. Didier Latour? Oui, bien sûr. Vous êtes Donatien de Montazac. Vous me dites quelque chose de Didier Latour. J'ai entendu parler de vous, tout à fait. Oui, je vois. Didier Latour. Bien sûr, bien sûr. Je vois tout à fait la personne dont vous parlez. C'était une très très belle personne, de ce que j'ai pu comprendre. Un médecin fantastique, hein, vraiment. Recherché par ici, je crois. Hein, donc... Recherché par ici, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Évidemment, et j'espère vraiment que... Personne ne le dénoncera jamais. En tout cas, j'espère que s'il tombe sur quelqu'un qui pourrait le dénoncer aux autorités, il pourrait trouver peut-être une somme pour essayer d'acheter cette personne pour qu'il ne la dénonce pas, bien sûr. Oh, je pense que cette personne a déjà été achetée par le passé. Et... Oui. Ça va être raisonnable. Ouais, bien sûr. Les crypto-monnaies, vous connaissez un peu? Ah, bien ça sûr. Ça ne vous intéresserait pas, tiens, Donatien, des crypto-monnaies. Mais attendez, vous n'avez jamais entendu parler du Montazac Coin? Ah, si. Oh, c'est comme votre piquette. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, mais ça va surtout. Hein. Ça grimpe pas beaucoup ces temps-ci. Hein. Moi, j'ai pas investi parce que je. Voilà.
Non, mais vous n'avez pas investi parce que vous n'avez pas de flair, mais oui, il n'y a pas de souci, quoi, bien sûr. Mmh. Ah, mais vous êtes là, Lorenza ! Ah bah oui, bonjour ! Ah bah enfin ! Vous êtes là, comment ça va, monsieur Donatien ? Ah bah ça va très bien, et vous-même ? Eh bah très bien, figurez-vous ! Ah oui ? Oui, tout se passe très bien, je me porte comme un charme, et tout le monde adore Lorenza ici, tout le monde m'a reconnue d'ailleurs. Ça va, Lorenza ? Ça va, et vous, monsieur Donatien ? J'ai l'impression que ça va pas trop, Lorenza. Oui, je vais super bien. Vous êtes forte, non, dans l'écriture des textes ? Pourquoi ? J'ai pas écrit mes vœux. Mais je peux t'aider, Miguel, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, bah oui, faut qu'on s'envoie des SMS. C'est quoi le numéro ? 3944, comme si la Seconde Guerre mondiale avait duré un an de moins, vois-tu ? Oui. Tout à fait. Mubuyake. Montazak. Mouyubake. Montazak. Mouyubake. Montazak. 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 Moyazak. C'est ça. Et Montafiak. Exactement, c'est ça. Ah, mais je me souviens quand cette île était en vente. Des crises d'anxiété et tout. Ah, mais oui, c'est cette île-là. Elle est trop petite, oui. Allez, hop là. Bien joué. Bravo. Bravo, le pilote. Hein. Je vous applaudis tous les soirs à 20h. Hein. Bravo. Waouh, mais Gontran, mais... Mais qu'est-ce que vous faites, Gontran ? Essayez de conduire un peu violemment, s'il vous plaît. Non, c'était une plaisanterie, bien sûr. Une taquinerie qu'on se fait avec Gontran de temps en temps, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît, pour que je puisse vérifier que vous... Gontran. Tout à fait, vous pouvez y aller. Merci. Bonjour, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. Bien sûr que si, monsieur. Comme tout le monde. Donatien de Montazac. J'aurais pas aimé. Bien sûr, vous êtes sur la liste, bienvenue. Évidemment. Ça, c'est une notif qui fait toujours plaisir, ça. Et toi, là ? Il n'y a pas de... Ouais, toi, là. En vous parlant demain, monsieur. 7 ans plus tard, là, ton espérance de vie, t'es toujours pas crevé. Et voilà, tu files toujours... C'est une sale bête, dégage. Tu m'as volé ma place de maire. On a vu l'état de la ville tout à l'heure quand on est arrivé. Y a plus personne dans les rues. Tout s'effondre, c'est dégueulasse. Bah oui. Ah oui, mais moi, je suis pas... Non, je peux pas te laisser dire un truc pareil. Arrête. Non. Tu penses ? Vous vous rappelez de Johnny, hein ? Oh, bah fais gaffe, hein. Une bière. Je ne suis pas un barbare. T'as vraiment très très mal géré la ville. Hein. Voilà, il m'a fait un virement. Vous étiez en colocation, si. Vous aussi ? Non, bah, si. Colocation, puis après, voilà. Ah bah je te promets que si. On s'est pris un petit logement. Oui, bon, écoute, t'as beau... contrôle tes émotions, hein. Oh, regardez, les barmanes, ils sont complètement synchro, hein. Bonjour. Et bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Champagne, pas. Est-ce que vous auriez du vin ? Ah non. Est-ce que vous en voulez ? On n'a pas de vin, on a que de la... Est-ce que... qu'est-ce que c'est qu'une soirée sans vin, messieurs, dames ? C'est vrai. C'est, on est d'accord. Je vous le demande. Je vous le demande, hein ? Ah oui. Qu'est-ce que vous diriez d'en avoir quelques petites bouteilles ? Vous en avez ? Il est possible que j'en ai quelques-unes, mais évidemment, ce n'est pas gratuit, hein, évidemment. On a quelques joints, si vous voulez. Ouais. Je n'accepte hélas que le cash, bien sûr. Ah. Vous n'en avez pas ? Un petit peu, oui. Vous avez combien, la bouteille ? Ah non, j'ai rien du tout sur moi. Moi, j'ai rien du tout. Hein. Ah, j'ai rien. Vous avez vraiment rien du tout sur vous ? Ah bah non. Mais attendez, vous êtes venu bénévolement ? Mais les gens, ils vous payent pas pour voir. Ah, c'est le chef qui a tout le pognon. C'est qui le chef ? Monsieur Benson. Monsieur Benson, oui. Monsieur Benson, à quoi ressemble-t-il ? Il y a une veste blanche, une personne une avec une AK-47 dans le dos. Oui. Par là, je sais pas. Un monsieur avec une AK-47 dans le dos. Oui. En blanc, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Daniel, tu iras lui demander un petit peu tout à l'heure, hein, si ça ne te dérange pas, bien sûr, évidemment. Oh, vous avez vu des verres, j'aime bien quand vous avez vu des verres, c'est très rigolo. Il a juste fumé. Non, juste une seule petite bouteille pour être sûr que ce soir, je vais essayer un peu de vendre un peu. On peut vous aider si vous voulez, monsieur. Oui. Bah, j'ai dit à Daniel, il faudrait qu'il parle avec le gars avec l'AK-47 pour savoir s'il veut pas acheter. Il fait peur, pourquoi c'est moi qui dois le faire ? Bah, on peut lui parler les deux sinon ! Vous êtes pas courageux, Daniel ? Si, Daniel, quand même ! Oh ! Oui, monsieur, on doit vous parler, est-ce que vous voulez du vin, monsieur ? Non, merci. Mais c'est très dommage, c'est le meilleur vin de tout le monde entier. Il a dit non. Elle a raison, j'en ai bu un, il a raison, j'en ai bu un peu. Et j'ai. Regardez comme il est content, regardez, il va vous faire une blague. Mais sourire au bar tout à l'heure. Les gens, ils m'ont fait, je leur ai dit, bonjour, est-ce que vous avez du vin ? Ils m'ont fait, non, on a que de la tequila et des cocktails. En tant que médocien, je suis outré. Et du coup, j'ai voulu leur en donner un petit peu, histoire de varier les saveurs, histoire que cet endroit soit plus convivial. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'il fallait que j'en parle avec vous pour qu'ils puissent avoir un petit peu de vin au bar, quoi. T'es en train de dire qu'en chez moi, c'est pas convivial. Ah, c'est très convivial.
Bien sûr. Mais ça pourrait l'être plus. Ça pourrait l'être encore plus. Et là, je bois une petite bière. Bon, je m'ennuie. Voilà. Bien, Antoine. Bien. Ouais, franchement, je m'ennuie de ouf. Alors que si j'avais bu du vin, je serais cool comme... Mais c'est super convivial, hein, c'est... J'ai fait plein de déchets, alors que normalement, avec une bouteille de vin, vous n'avez pas besoin de faire de déchets dans la soirée, monsieur. Voilà. Et c'est que 8000. Non, c'est un peu moins. C'est un peu moins, monsieur. Parce que vraiment, je trouve l'endroit très convivial et très sympathique. Du coup, ça sera moins de 8000 la bouteille. Vraiment, beaucoup moins de 8000 la bouteille. Genre ah ouais deux. Non plus. Non. Non, c'est... Ouais, écoutez, est-ce que ça vous intéresse un petit peu de vin, quelques bouteilles? Pas énormément, quoi. Ouais, pour négocier. Oui. 300 la bouteille, qu'est-ce que vous en dites? 300 la bouteille. Ça paraît vraiment très marchand, ça. Ouais, c'est un prix de... En plus, ça... elle vient de Moulis-en-Médoc. Voilà, c'est à une cinquantaine de bornes de Bordeaux, en France. Ah oui. Oui, c'est très connu. On est français. Ah, mais le vin français, monsieur, vous savez, c'est réputé dans le monde entier. Plus maintenant du vin français, il paraît. Allez, allez. 300. C'était 300, mais vu que vous m'êtes vraiment sympathique, c'est 250. Ça vous dit? 250, vous avez combien de bouteilles? Bah, combien vous en voulez? J'en ai pas énormément, j'en ai... Combien vous en voulez? Bah, une petite centaine. Mais je n'ai pas les poches assez grandes. On peut commencer avec 5 bouteilles, ça vous dit? 5 bouteilles. 5 bouteilles. Et moi, vas-y. Ouais, 250, on est à 1500 et on est bon. Ok ? Oui, c'est des calculs. Ça vous va, monsieur ? Attends deux secondes, parce que je suis pas très bon en mathématiques. Mais bon, moi, je suis excellent, moi. Oui, il est excellent, il est excellent. Ah oui, faites-moi confiance. Tu sais quoi ? Oui ? Je vais faire un truc. Oui ? Je te donne 1250. Ok ? Parce que c'est les 5 bouteilles à 250 dollars. Ah oui. Mais je crois que c'est pas et toi, tu me donnes les bouteilles. C'est quelqu'un qui a confiance en maths. Ok, très bien. Et ensuite, ce que je fais, c'est le gamin là-bas, eh ben, oui. Je lui donne 1250 aussi. Oh, bravo! Ah bah merci, ça fait très plaisir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Antoine? Oui. N'oubliez pas ma petite commission, hein, bien sûr. Bien sûr, je vous donne. Donc la commission de 500... Ah bah, je... Oh, bon, je vous rembourserai. Et tiens. Merci, je vous rembourserai. Voilà. Ah non. Ah, je le donnerai à Daniel. Je le donnerai à Daniel, sans problème, bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr. En tout cas, vous êtes vraiment le meilleur vendeur et en plus vous êtes généreux. Hein. Bah écoutez, ça fait plaisir, hein, vous savez. Hein. Ah oui, bah en tout cas on est une belle équipe comme toujours. Ça, chaque fois ça me fait plaisir, ça me touche quoi. Moi ça me fait très plaisir. Hein. Ah oui, c'est là-bas, on va devant. Bah oui, bien sûr, on va devant. Ah le discours. Ah, attends. Ah bah y'a déjà la mariée qui arrive, oh, bah nickel, voilà, ah bah, allez hop. Ça va vite, hein. On fait un pack 15 minutes, pas plus. Oui. Voilà, d'accord. Merci, monsieur Benson. Je t'ai écrit ton discours, Miguel, si tu checkes ton téléphone. Alors, nous sommes ici réunis pour le mariage de Miguel Charles Collins et de Kim Dwight. Oui, bravo. Bravo. Est-ce que des gens s'opposent au mariage, qu'ils le disent tout de suite ou j'ai envie de faire la blague maintenant. Non. Alors, attention, parce qu'ici, si quelqu'un s'y oppose, c'est le cartel qui abattra directement la personne. Faites pas ça, les petits. Ah non, quand même pas. Ah oui, ça donne moins envie de s'opposer tout de suite. Vous pouvez la mettre à la main de Kim, Miguel. Allez-y. Ah oui, direct comme ça, c'est un facile. Oui, direct. D'accord, on a pris les plus mauvais gestionnaires des mariages qu'on ait jamais dit, c'est nickel. Bah, vous avez pris un maire déjà qui a été défectueux, donc bon. Effectivement, on est d'accord, j'aurais dû être Donatien. Monsieur Donatien, c'est ce qu'on appelle, c'est la démocratie, Donatien. Moi aussi, voilà. J'ai voté pour vous, Donatien. Moi, j'ai voté pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dictature éclairée, Cuc? Kim Dwight, acceptez-vous de prendre pour époux? Mais les vins, c'est comme on l'a dit, Cuc. Mais taisez-vous. Bon, et moi, je propose qu'on recommence tout, là. C'est n'importe quoi, quand même. Mais taisez-vous. On recommence tout, Cuc. Soyez professionnels. Donc, Kim, revenez. C'est votre mariage, Kim. Voilà. Bravo. Super. Je tous les soirs. Bravo. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour le mariage de Charles Collins et de Kim Dwight. Ouais, c'est un truc de fou. Est-ce que avant docteur, j'ai la chiasse, docteur. Attendez, pause. Est-ce qu'on peut tout refaire depuis le début? On a un problème. Excusez-moi, j'ai la chiasse. Quelqu'un a la chiasse, il me faudrait un médecin. Et s'il vous plaît, il faut reprendre. C'est Gontran qui m'a refilé la chiasse. S'il vous plaît, arrêtez de me filmer pendant que j'ai la chiasse, monsieur. Il faut immortaliser tout ça. Bah c'est bon, je vous ai déjà soigné de loin. J'ai fait un soin wifi. Ah ouais, c'est incroyable. Bravo.
Eh ben j'ai plus la chiasse. Ça va, Daniel ? Il s'envole. Il est en train de partir. Daniel ? J'ai un petit souci. Bah je vois ça, Daniel. Qu'est-ce qui... Antoine, il est en lévitation. Mais oui, qu'est-ce qui arrive à Antoine là-bas ? Il est en train de partir. Il s'envole. Attendez, je prépare l'exorcisme. Oh, je vous promets que ça n'a rien à voir avec le vin. Ils n'en ont pas touché un seul ce soir. Hein. Vraiment, c'est. Oh, Seigneur. Non. J'ai accepté. Excuse-nous pour le mariage, Miguel, hein, vraiment. L'exorcisme a fonctionné. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Latour et Monsieur Kiddy et Monsieur West. Antoine est revenu. Il a réapparu. Antoine est retour. Antoine, mais qu'est-ce que vous faites? Oh. Antoine 2. Oh, quel garnement, il a pas changé, Antoine. Hein. Bah. Mais... Ah. Antoine. Et monsieur, parlez, monsieur. Bonjour, c'est bon, je suis là, on peut continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé quoi? Rien, ça recommence. Non. Antoine. Non, mais c'est pas vrai. Donna. Bah non, mais c'est pas moi. Tu les adoptes, mais bon. Allez, non, mais... On s'entend sur l'adoption. Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi, Fab. Hein, vraiment, là, ça va pas du tout. Hein. C'est une magnifique cérémonie. Ouh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive à Kim, là? Wow. Super. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette magnifique, ces fleurs. Ouais. C'est la première fois que je te vois comme ça, je suis belle. Bonjour. Bonjour. Bravo, Kim, d'avoir fait survivre un mariage 7 ans. Oui, Kenneth, allez-y, Kenneth. Oui, oui. Merci Kenneth, merci beaucoup. Merci Kenneth, c'était très beau. Pas mal du tout, oui. Bon, et bien voilà, une nouvelle étape de ce mariage de franchi. Miguel, il a pas dit, acceptez-vous de prendre pour épouse, ici présente, Kim Dwight. Bah, ça, c'est Kim. Oui. Oui, oh. Bravo. Bravo. Félicitations. Ça a commencé par un 45 tonnes et ça a failli se finir avec une Zantourno. Mais tu seras toujours mon Clyde et je serai toujours ta Bonnie. J'ai cru que c'était une énigme. Oh. Je suis très déçu. Camoulox. J'espère que ce sera un meilleur discours de la part de Miguel. Hein. Merci Donatien. Moi j'ai trouvé Mims. Vive les mariés. Que tout le monde applaudisse. Ouais, je peux pas. Oui, j'ai fait discours. Elle pourrait être contente. Donc alors, pas prendre la parole trop longtemps. Moi Miguel, je te prends et reprends toi, Kim, comme épouse, telle que tu es, je te promets de t'aimer. De te respecter, de t'encourager, de te permettre d'écrever des gens dès que tu voudras. Bravo. Le mariage, c'est vraiment super. Il faut célébrer ça avec une bonne bouteille à un bon prix d'amis. Ah, ah, un très très bon discours, ça, Miguel. Oui, oui, oui. Maintenant, musique, puis après, champagne. Champagne. Bouteille de vin. Voilà, allez. Super, merci. Quand je débarque mais la musique, dans ma Provence natale. Oh là, quoi? Ouais, quand je suis là, Fab. Que Fab. Je bois ma vinasse, ouais. Fab, ouais. C'est bon, wow. Oh, ah oui, j'ai pas vu. C'est jaune, c'est rigolo du coup. Oh, oh, le camion. C'est mon camion, ça. C'est magnifique. C'est mon camion. Wow. Vous auriez de la tequila, là? La tequila, oui, il y a de la tequila. Je peux en avoir pas mal. Les roms, c'est là. De quoi, une bouteille, deux bouteilles? Ouais, trois. Oh, allez, c'est parti. Bon, allez, merci. Hop là, c'est gratos. Hop là, il n'y a pas le temps de me demander. Hop là. J'ai entendu un chèque. Je pense qu'il y en a eu, mais cramé. Oula, merde. Il y a quand même plus qui est en train de discuter. Pourquoi je reçois des messages de calvitie, là? Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe? Donatien. Donatien. Ça y est, il est déjà arrêté. PLS. Monsieur Donatien. PLS pour Mouya. Il y a du sang par terre. Voyez, ça me fait à force de faire les messes basses. Miguel. Qu'est-ce qui se passe? Donna! Oui, peut-être un peu trop bu le. Oui. Ouais, il est tombé au sol, arrête mort. Allez. Pas assez bu, hein. Alors, qu'est-ce que vous devenez, Dr. Cool? Bah, nous, on Donna voyage. Oui. On vous avez peut-être business beaucoup bu d'un bras, non? C'est Gontran qui m'a fait ça. On fait un saut en parachute dans les. Exactement. Animation, oui, ah bah super! Ah, mais je peux venir! Eh, c'est un bel hélico, ça! C'est pas de la merde, hein! Animation, saut en parachute. Ok, ça va la tour? Écoutez, ça va, un petit peu mieux que vous, je pense. Alors, mais moi, ça va super. Hein. Ah, vous avez l'air d'être en super forme. Ah ouais, là, c'est waouh, ouais, des dingueries. Oh, ouais, des dingueries. C'est moi qui l'ai eu. La gueule, le chien! Wow. Non, mais wow. Donatien, arrêtez vos machines! Voilà, cuc! Comme nous tous! Oh, cuc! Ah.
Arrêtez! Arrêtez, je ne suis qu'un honnête vigneron! Arrêtez de me taper, monsieur! Oh, j'ai plus mon chapeau! Pour des raisons évidentes de sécurité, ne bougez plus! J'ai plus mon chapeau! Les points de rendez-vous, c'est la plage! Mais ne bougez pas! Faites attention à ne pas bouger! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Oh, Kitty! On peut sauter! Sautez! 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 Oh, je m'avance vers la lumière! Je m'avance vers la lumière! Oh! Je vais rencontrer mon destin! Je me rencontre mon destin! Je rencontre mon destin! Solange, Gabi! Wouh! Attention! Oh! Wouah! Je vois toutes les couleurs. Pense pas comme ça que tu vas vendre du vin, man. Mon chapeau. Alors je sais pas ça. T'as vu son chapeau, man? Ah non, il a dû tomber avec en sautant. Il est... Oui, Antoine, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Bonjour, monsieur Donatien de Montazac. Ils sont les dons. J'arrive. Vous voyez l'hélicoptère qui arrive sur la plage? Il y a un cadavre dans l'eau. Chef. Il y a un cadavre dans l'eau? Non, il y a moi. Vous êtes pas un cadavre, Antoine? Non, écoutez, je me suis fait une petite boîte. Tiens, ok, bah bravo, j'arrive. Non, merci. Merci, messieurs. Je vous applaudis tous les soirs à 20h, hein. C'est quoi, ça? Eh, mais c'est Fab! Fab, comment ça va? Ça va, Fab? Je viens de vivre une expérience surnaturelle. Oui. Il y avait, j'allais dans la mer pour vomir. Et puis, il y avait... une sorte de mec en combinaison de plongée et il traînait Fab qui était sous l'eau et il a disparu. Quoi, il est où? Il est au fond. Ah non, vu. J'ai envie de dire, il va falloir vous faire soigner, monsieur Dantello. Ah oui, j'ai perdu vos lunettes aussi. Fab, il faut que je vérifie si t'es le vrai Fab ou si t'as pas été remplacé par un sosie. Vous avez atterri où? Non, c'est moi. Comment je m'appelle? Donna. En entier, mon vrai nom en entier. Donatien. Et le nom de famille? D'accord. De Montazac. Ok, c'est bien toi, bravo. Je vois ton mari est en train de se baigner. Mais ouais. Je pense, Donna, si ça avait été un faux Fab, il aurait pu dire. Hein. Ah oui, bah écoute. Tu penses? Il remettra de toute façon les mêmes vêtements. Non, t'as peut-être raison, c'est peut-être une vérification. Pour moi, c'est bon, hein. Pour moi, c'est bon aussi, je suis le... le vrai Fab, hein. Je suis le vrai Fab. Tu t'appelles Fabien Torres? Fabien Torres, mais tu m'appelles Fab. Ah oui, Fab. Ok, c'est quoi mon animal préféré? L'argent. Vous avez pu goûter un peu le gâteau? Fabien, il aurait dit le sanglier. Ah ben moi, mon animal préféré, c'est le sanglier. Mais toi? Bah moi aussi. Ah ben le sanglier, bien sûr. Mais j'ai cru que tu me posais une colle pour essayer de voir un truc. Bah oui, pour voir si t'as pas été remplacé par un sosie. Mais non, je suis Fab, je te dis, je suis Fab. Y a pas d'autre Fab. Ok. On peut dire que vous... Qu'est-ce qui te fait douter? Bah le fait que t'étais dans l'eau et tu te faisais tracter par un gars et d'un seul coup t'as disparu. Et ça marche. Et oui, non, mais non, je pense qu'il m'a ramené. Je me rappelle de rien, mais je me suis noyé, il m'a ramené. Ah non, mais ça doit être moi, faudrait que j'aille voir un psy. Mais le dernier que je suis allé voir, ça s'est mal passé. Hein. Ah bon, il s'est passé quoi? Oula. Qu'est-ce que... Bah... Raconte-nous. Non, mais c'était il y a longtemps, hein, mais... Partir. Non, mais tu te souviens du docteur... oui. Monsieur Cox. Monsieur Cox, c'est ça? Ah, oui, je m'en rappelle, oui. Bah, c'est depuis moi, les psys, j'évite un peu, hein. Ouais, je comprends. Pourtant, faudrait un peu, là, vu que... Oh là! Mais attends! Ok, garde, gardons calme. Ok, on garde notre calme.
Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Tout ceci est faux. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psy. Tout est faux. Tout est faux. Tout ce qui tente. Ah, c'est ça. Fabien est là. Tout va bien. Allô ? Fabien ? Oui ? Oui. Oui, je reviens. Oui, Donna ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va être difficile à t'expliquer, Donna. Ouais, je comprends. Oh, okay. Oh, je suis dans un autre monde. Et pourtant, j'arrive à me relever vers les cieux. Je vois le soleil au loin. Et déjà, je sais que je vais suivre la voie. Et c'est ainsi que je nagerai. Jour comme nuit. Afin d'atteindre peut-être un jour l'objectif de ma vie. Par contre, avant, j'ai un putain d'appel. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans ma tête, c'est ça ? Je suis actuellement dans l'eau, mais t'inquiète, je suis avec Kim et tout le monde, donc tout va bien, je suis pas seul. Et je reviens petit à petit. C'est dans ma tête, c'est ça, Fabien ? Non, je suis pas dans ta tête, je suis dans l'eau. C'est dans ma tête, hein, Fabien. J'ai vu la lumière, Donna, que tu n'as jamais vue. Je l'ai vue tout à l'heure avant de sauter. Bah, Antoine, t'es plein de sang. Ah ouais, bah je me suis un peu amoché. Ah bah oui, un petit peu, Antoine. Qu'est-ce que vous avez fait à... Vous avez tabassé Antoine ? Mais non, jamais de la vie, je ferai une chose pas. Mais vous êtes où, Gontran ? Attendez, il est où, Gontran ? Gontran, vous êtes où ? Ah, je suis devant vous, là. Ah bah non. Oula ! Ah, mais je ne suis pas fou ! Ah oui, vous étiez là. Oula, mais Gontran ! Mais qu'est-ce que... Il s'allonge. Gontran, ça va ? Oui ? Gontran, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Gontran, vous me parlez depuis l'au-delà ? Oui ? Vous avez rejoint Johnny Monet ? Oui ! Je peux pas courir, Daniel. Mais je suis vous faites quoi sur votre téléphone ? Vous prenez les photos des gens ? Oui. Mais comment ça ? Mais vous voyez Gontran ? Attendez, on voit son téléphone qui vole. Vous ah mais oui, il y a le téléphone qui vole ! Mais oui, je vous l'ai dit. Des gens en photo. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Essayez, attendez, on va reculer un petit peu, essayez de lui mettre une patate. Ah ouais, carrément ! Merde ! Pardon ! Non ! Ah ! Non ! Oula, Gontran ! Wow, Gontran, mais qu'est-ce que vous faites ? Il est là, il fait du yoga ! Vous m'avez fait mal, monsieur, vous avez... Mais Gontran, pourquoi vous aviez votre cul en offrande ? Oui. Je bouge un peu plus ! J'essaie de revenir parmi les vivants ! Est-ce qu'il y a... C'est bon, on vous voit, Gontran ! Monsieur, docteur ! Je fais la danse rituelle ! Ah oui, Gontran ! Waouh ! Merci ! Waouh ! C'est bon, je suis de retour ! C'est impressionnant ! Ah ! Voilà ! Vous avez débloqué un sens. Oh. Ah oui, on se sent bien. Oh oui. Allô. Fabien, c'est Donatien Montazac au téléphone. Dis-moi. Je suis juste derrière toi. Ah oui, dis-moi. Ouais, je voulais savoir où est-ce que t'étais, c'est tout. Devant toi. Ok, à toutes. Il se passe des choses bizarres. Hein. Il y a Gontran qui a disparu aussi, on voyait plus que son téléphone. T'as des nouvelles ? Oui, oui, il est là. On a appris à faire du yoga ensemble, c'est très bien. Ah, vous avez fait du yoga avec Gontran ? Attends, tu veux que je te montre ? Dis-moi. Tu vas voir un truc vraiment bien. Regarde le boule, hein. Regarde bien le boule, hein. Pardon ? Regardez, hé. Antoine, Daniel, regardez le boule. Regardez mon boule, hein. Regardez bien. Regarde. Regardez bien le boule. Regarde. C'est maintenant. C'est pas mal, non ? Oui, c'est pas mal. Incroyable. Mais c'est qui cette voix ? C'est moi. C'est qui, moi ? Moi. Oula. Vous me faites peur, madame. Oui, je comprends. On me dit souvent ça. Oula. Ça va ? Oui, et vous ? Oui ? Mais qui êtes-vous ? Sophia Déballage. Sophia Déballage ? Bonjour. Déballage. Enchantée. Enchantée. Est-ce que... Ça va ? Vous voulez du verre ? Bah, ça va et vous ? Oh, un chien. Très bonne question de mon collègue, là. Normalement, celle-là, elle est à 3000. Ah, mais là, moi, j'ai très envie de faire un moitié prix pour monsieur et madame. Oh. Allez, Fab. Ouais, on va se serrer la ceinture. Allez, Fab, vraiment, voilà. On se serre la ceinture pour ce mois. Mais vraiment, c'est vraiment... Ils sont trop sympas, tu vois. Donc... Monsieur Montaza qui serre la ceinture ? Ah oui, ça peut arriver, oui. C'est compliqué, en ce moment. Ah oui, oui, oui. Ah bon ? Oui, mais c'est compliqué en ce moment. Il faut pas... Enfin...
Mais moi, j'ai pas envie que vous ayez des problèmes après à cause Oh, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Écoutez, 1005 et on n'en parle plus, ça me fait plaisir. En fait, peut-être que je mangerai moins ce mois-ci, mais au moins, j'aurai le sourire, quoi. C'est vraiment, je me dirais, j'ai fait une bonne action, j'ai donné moitié prix cette belle bouteille incroyable. Et voilà, quoi. C'est vrai. On fait un peu parfois dans la charité. Après, à ce point-là, je pense. Non, arrête non plus. C'est pas non plus la charité, mais oh, c'est. T'as donné le prix, excuse-moi, mais c'est une donation. C'est presque une donation. Une donation de mon Tazac, si je puis me permettre, hein, bien sûr. Il est fort. Il est fort. Ah oui, je la roucoule cette langue. Donc, monsieur, ça vous tente ? Elle est vendue. Ah, elle est vendue, alors. Ouais alors. Voilà, allez, donnez les 1500 et je vous donne le vin. Un taloir, monsieur, vous allez voir. Hein. On va aller à l'aéroport. Ah d'accord. À l'aéroport, oui, on va prendre un avion en direction Los Santos. Les chauffeurs vous attendent pour vous emmener au Black Cat, qui ah est oui un restaurant fêté. Ah oui, bah allons-y maintenant alors. Attendez. Et en plus de ça, je me mets un petit peu de zik en plus de ça. Je me mets dans mes écouteurs, hein, vous inquiétez pas, bien sûr. Y a pas ah de oui, soucis. Parce que... Ça m'aide à conduire, à me concentrer. Ouais, mais vous êtes sûr que l'artiste, il s'appellerait pas DMCA par hasard? Pas du tout. J'ai racheté tous les droits, ne vous inquiétez pas. Attends, 150 dollars. Attention, vous inquiétez, ça m'aide à me concentrer, je me concentre. Et c'est pour ça que vous aviez des chauffeurs, des mmh. Vous avez perdu l'habitude. Ah, vous voulez me tuer, c'est ça en fait. Sur cette la vache. Où je suis. Ah, je comprends pourquoi la voiture est très longue en fait, c'est pour mieux tanker les dégâts frontaux. Bah, c'est... Oui, c'est pour montrer que ça appartient à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tout va bien. Oui, bien sûr. Attendez... Vous pouvez pas la subtiliser. Ah, écoutez, je crois qu'on va devoir faire à l'ancienne. Roy, Monsieur, vous voulez bien faire, vous pousser jusqu'à la station essence. Ok, allez, vas-y. Ah là, mais oh, mais d'où... Non mais il nous pousse, c'est Roy, vas-y. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Non, je le sens mal. Mais si, tout va bien se passer, c'est parti. Mais où la station essence? Allez, pas loin. Je serai bien mieux là. Oh, ça marche. Ça, c'est une dinguerie. Mais Roy... Il est très fort, hein. À qui est cette voiture, Roy? Mais tu es mon enfant. Oh, doucement. Voilà. Oh, j'ai pas... C'est quand même une station essence. Je merci pense pour votre voiture. Pas... la gueule. On devrait pas minimiser le fait que c'est complètement explosif, en fait. Non, mais vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Et merci à la dame de la voiture, hein, bien sûr. Ah oui, elle va... Je l'applaudirai tous les soirs à 20h. Hein. Elle est sympathique, cette dame. Ah oui. Oui, carrément, ouais. Ce qui est bien, c'est que dans cette ville, il y a personne dans les rues. Mais c'est un trottoir. Ah merde, je me suis... Hop, attention. Pardon, attention, mais les gens... Les gens marchent n'importe comment dans cette ville. Et voilà le Black Cat. Ah bon, il y a une machine qui vous lit votre avenir à l'intérieur. C'est vrai? Ça fait de la musique. Bonjour à tous et bienvenue à Nazarsmith. Si vous voulez connaître votre avenir, vous avez le droit à 3 questions. Est-ce que Johnny Monet est vraiment mort? Ah, Johnny Monet. Je le connais bien. Et il m'a dit de rien vous dire. C'est vraiment du bullshit. Deuxième hein. question. Vas-y, Roy. Est-ce que Lorenza pourra un jour devenir une star dans la chanson? Ah. Une star dans la chanson. Elle fait partie de ce genre d'individu qui n'est connu que pour une seule chose. Et juste après, elle retombera dans l'oubli. Ok, très bien. Est-ce que je vais bientôt toucher mon deuxième milliard? Monsieur Montazac, bien sûr, vous serez double milliardaire. Allez! Cette fois-ci, ne le dites pas aux informations. Merci à tous. Faut pas que je le dise aux informations. Et quel est l'intérêt alors si personne ne le sait? Veuillez insérer 5 dollars. Oh non, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai plus rien. Bullshit. Oh Lorenza, on a demandé l'avenir à la machine. Oh là là, mais l'avenir te tend les bras apparemment. Hein. Superstar. Oui. Superstar, vraiment, tu vas cartonner. Relevez la pente, il a dit. Mais... Ah oui. Tous les milieux artistiques. Hein. Oui, ne pose pas la question, tu vois, on l'a posé pour toi. Salut Daniel. Bonjour. Regarde, on peut te prendre en photo. Regarde, très amusant. Tu peux te mettre derrière ça et je te prends en photo. Oui. Bon, mais où Daniel, je te vois pas. Mais derrière. Non, mais c'est... Quoi? Je vois pas Daniel. Ah, oh. Très bien habillé, mais c'est trop bien. Ok. Il m'a poussé. Pardon. Vas-y. Ok. C'est super. Jeez.
Mais en fait, l'idéal serait que vous y alliez un par un, en fait, parce que ça va censé représenter une personne. Au milieu. Mettez-vous au milieu. Ok, bah vas-y, mettez-vous au milieu, pas après je viens. Mais c'est moins bien si on est. Sinon, je fais le mais requin. Mais... Attendez, je fais le requin par terre. Oui. Ah oui, voilà. C'est... Ah oui, c'est super. Mais que vous avez fait à ma voiture? Ah, c'est la vôtre? Mais on l'avait. En fait, il y a eu un problème. Bah oui, je vois ça. Il y a des oiseaux africains qui sont venus ici. Oui. Ils ont attaqué comme s'il y avait des. Je sais pas, des petites graines de sésame ou quelque chose. Ils ont attaqué la voiture. Oh non, ma limousine. Ma Montazac mobile. Si on savait ce que c'était la vôtre, on l'aurait jamais laissé faire les oiseaux migratoires. Jamais. Il va falloir que, que j'ai une compensation, quoi. Ouais, juste. Peut-être que là. Vous pouvez trouver le chef des oiseaux migrateurs, mais je sais pas où il est. Hein. Et là. Bah non, mais. À votre bon cœur, quoi. Si vous avez. Quelle histoire que je puisse la faire réparer, quoi. C'est. Vous n'aviez pas un téléphone portable ou quelque chose de non, j'espère qu'ils l'ont pas volé, hein. J'ai tout. Merci pour ce don, merci beaucoup. Merci. Si vous aviez quelques petites piècettes, bien sûr, c'est. Pour ma voiture, quoi, vraiment. Ouais. C'est. Vraiment. C'est vraiment dommage, mais peut-être que. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bah là, pour l'instant, je crois qu'on peut plus rien faire. J'ai envie de pleurer, mais votre soutien vraiment me réchauffe le cœur. Merci beaucoup. À votre bon cœur, messieurs, dames, hein, si vous avez ne serait-ce qu'une petite somme, il n'y a pas de petit don, bien sûr, pour réparer cette belle voiture qui est vraiment... Avant même d'être une belle limousine, c'est surtout une voiture de cœur, vous savez. Donna ? C'est Sian Montazac au téléphone. Merci. Oui, je me doute, c'est moi qui t'appelle. Je voulais savoir, tu baises, là ? Merci. Non, pourquoi ? Non, c'était pour savoir. Non, je baise pas, non. Et toi, tu baises ? Non plus, non. Ah, mais tu veux baiser ? Ou non ? Ah ? Non, mais je sais pas. Apparemment, tu te faisais des trucs avec Tim ? Ah non. Pour le coup, non, vraiment, je suis sur le ponton, là. Je suis à côté de Miguel. Oui, enfin, avant, t'étais à côté de Tim, quoi. Oui, mais on ne baisait pas. Et puis, tu m'as raccroché au nez plusieurs fois, quoi. T'étais en train de baiser, Fabien ! Baise pas, il me dit qu'il m'aime. Le truc, c'est que je sais pas quoi faire, gros. Tu lui dis que non si c'est pas le cas, enfin. Et le truc, c'est que moi, Tim, je l'aime. Bon, bah alors. Oui, mais je. Bon, regarde derrière toi, Fabien. Je suis littéralement dos à la mer. Ok, bon, Fabien. Attention. Écoute-moi bien. Si c'est le cas, il faut lui dire, ok. Et si c'est pas le cas, il faut pas lui dire, ok. Il faut lui dire non. Mais faut être sincère, faut arrêter d'être hésitant au bout d'un moment. Mais... Parce que ça se ressent après dans les affaires et c'est horrible. Qu'est-ce que je fais ? Ok. C'est toujours les bons conseils, de toute façon, Donna. Ok. Eh ben, allons-y. Allez. Je sais pas trop. Eh ouais. Eh bah c'est bien... Eh oui, c'est ça le problème, hein, bien sûr. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il est passé d'ailleurs, Tim. Tim a sauté. Mais c'est mieux s'il est vivant. Quoi, Tim a sauté ? Pardon ? Quoi ? Il y a Tim qui est dans l'eau, là, il est dans le coma. Il... Quoi ? Nous, regarde. Pardon, retour. Ouais, là, juste... Non, non, Fab, doucement. Comme ça, il regardait en dessous de toi, en dessous de la structure. Il y a Pablo... Regardez, oh non ! Non, qu'est-ce que... Non, mais... Oh non, non. C'est la troisième personne... N'allez pas chercher votre cousin, Daniel. Ah mais impressionnant, Antoine. Nager, moi, y a pas de problème. Ah, vous savez nager? Oui, c'est pour ça que j'ai fait la blague, parce que je savais que je m'en sortirais bien. Moi aussi, je sais nager maintenant, regardez. Ah oui, bah attendez, je vais avec vous, let's go. Wow. Dantello? Oui. Je... Remontez. Je remonte. Je... Oh non. Si, c'est bon, voilà, je suis là. Si, je suis là, Antoine, regardez. C'est impressionnant, vous savez bien nager, quoi. Bah oui, regardez. Par contre, on est impressionnant, c'est bien parler sous l'eau aussi, on a beaucoup de talent. Ah oui, bien sûr. Bah ça, vous savez, dans le Médoc, tout le monde fait ça, et je crois que je vous ai transmis ce talent. Hein. Je m'allume un pétard. Ah bah moi... Oh. Oula. Ah. Patron Fab. Vous allez bien? Patron... Oh mais il est instantané ce pétard. Patron Fab. Mais Fab, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais il s'est allumé un pétard, il est tombé dans les pommes. Il s'est allumé un pétard, il est tombé dans les pommes. Mais oui. Mais Fab, enfin. Oh, mais ça va encore faire la une des journaux, ça va niquer l'image de la boîte. Fab, putain. Tim. Ouais.
Oui. Comment ça va? Je sais pas trop. Dello. Oui. Bonjour. Je vais vite à l'hôpital, je reviens. Qu'est-ce qui vous arrive, Antoine? Je dois aller à l'hôpital aussi, je oui. sais plus où. Allez, on est parti. Mais Antoine. Allez, on est parti. Oui, ouais, j'ai. Bah en fait, je crois que je me suis tapé la tête quand je voulais montrer que j'avais une tenue de plongée à Daniel. Daniel, oh, tu veux voir un truc incroyable? Passer, oui. Alors, quoi t'as ça? Ah, je vois. Ah, le plongeur. Non, on est sérieux que le plongeur il est. Non. Pourquoi? Pourquoi? Mais sérieux, merde, faut tout faire tout seul. J'avais pas soif. On est d'accord que le plongeur il s'est buté. Mais quel. Oui, c'est pas possible. Je vois pas, monsieur Foub. Mais comment le plongeur il a pu s'est buté? Mais pas... C'est juste pas possible. Mais vous venez vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. J'ai pas eu mes bouteilles au fait. Là, ouais, moi non plus, j'ai en fait. 100 balles là, mais j'ai pas eu mes bouteilles. Ah. Bah, ah, mais je les. Elles étaient dans la limousine. Ah, d'accord. Ah, elle est okay. où cette limousine? Juste là-bas, mais elle a explosé. Ah, ok. Mmh. Bah, vous d'accord. pouvez me rendre mes 100$ s'il vous plaît, du coup. Je les ai plus. 100$? Ils ont fini où? Ah, donc c'est ça. Ah, attendez. Ah, parce que moi je. Si, j'ai si, 5 000$, hein. Quoi? Ah, non, non, arrêtez. Ne parlez pas entre vous. s'il vous plaît. Ok, Cuc, je vais vous rendre. $100 pour monsieur Cuc. Non, non, c'est... crois-moi, Vanessa, que c'était vraiment pas de la même qualité. 500 pour moi parce qu'il a oui, fait moi c'était pique. De la piquette, apparemment, je pense. C'était un peu de la piquette en vrai, hein. Ah, vous faites de la piquette. C'est bien votre domaine. Non, c'est... non, bah non, non, justement, je fais pas de la piquette, mais. Bon, bref, merde, là vous commencez à. Voilà, 100 balles pour Cuc. Parfait. Fab, pourquoi t'es en peignoir? Parce que je suis sorti de l'hôpital et ils m'ont proposé de garder cet accoutrement. Ah, est-ce que bien, ça vous dit que... Ça va super bien, patron est-ce... Fab, vous êtes fabuleux, même si vous avez la chlamydia. Bah, tout le monde a un peu le cul, là, on derrière. Pas, on n'est pas obligé de... Bah, Pourquoi tu es méchante, elle est dure à tout le monde comme moi, ça. Moi, j'ai bientôt... Ouais, bah, attendez, on est entre nous, c'est la famille, quoi. J'ai bientôt mon avion, ça vous dit pas qu'on aille un peu sur les collines, vite fait, histoire de passer un dernier moment? Eh bah, j'ai plus l'essence, voilà. Excuse-moi, j'ai plus l'essence. Alors, je vais nous trouver un petit endroit. Ah, y'a plus d'essence du tout. Du tout. Du tout. Alors allez, attendez, on va. Je vais nous chercher un petit bidon, j'arrive. Oui. Mais il peut pas courir, ça fait si long. On va courir. Oh, quelle histoire. On va pas y arriver. Quoi, elle t'a un petit bidon d'essence pour nous par hasard? Merci. Dites-nous si vous arrivez quoi quand. Oula. De qui vous parlez là? Je sais pas, c'est. C'est une voix dans votre tête peut-être? Ouais, je sais pas, il s'est passé un truc bizarre. Hein. Mais c'est pas vrai. Mais. Heureusement que j'ai une mallette, je peux pas vous frapper, hein. Et... Daniel? Oui. Vous voulez pas casser la gueule à ce cycliste, s'il vous plaît? Attends, Antoine, attendez, il voulait le faire, Antoine aussi. Ah bah allez-y. Mais qui dit? Voilà. Waouh. Donna? Bah oui, je sais, Fab! Tout a changé. Bah c'est oui, je sais bien, on a fait beaucoup de travaux, hein. Ah, c'est... On avait fait beaucoup de travaux. Bah avant j'habitais ici, mais maintenant j'y habite plus, maintenant c'est juste pour la boîte, hein. Ah bah oui, mais complètement, c'est méconnaissable. Ah oui, c'est un truc de fou, hein. Ah oui, mais regarde la production, là, c'est bien, hein. Ah bah là, c'est une affaire qui roule, là. C'est pas mal, hein. Ah, c'est... Ça a bossé, c'est bien, hein. Ah oui, c'est assez fort, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, ici? Ah bah j'essaie de comprendre aussi, figurez-vous. Bah. Excusez-moi. Oui, allô. Oui, vous avez dit de les taper. Quoi. De quoi t'as passé des gens devant les shérifs. Attendez, je vous dis de sauter par la fenêtre, vous le faites? Bah oui. Bien sûr, monsieur. On peut. Laquelle? Et c'est pour ça que je vous adore, bien sûr. Vous êtes policier? Je suis oui. Eh bien, sachez que vous avez devant vous un des plus grands défenseurs de la cause policière. Tous les soirs, à 20h, je vous applaudis à ma fenêtre. Ah bah, je confirme. C'est très urbain de votre part, en tout cas. Je confirme, il nous applaudissait tous les soirs à 20h. Oui, c'est vrai. On le voit ancien directeur de l'hôpital. Ah, vous êtes ancien directeur de l'hôpital, très bien. Tout à fait. Docteur Maison pour vous. Docteur Maison, légendaire Docteur Maison. Écoutez, on ferme les yeux là-dessus. Oui. Ces cyclistes avaient un comportement extrêmement hostile envers mes employés. Ils ont traité de sac à merde. Oui, moi. Et vraiment, ils ont commencé à être vraiment très désagréables avec eux. Et ce n'est que de la légitime défense, bien sûr. Ils ont dit rentrez chez vous et j'ai pas aimé. Ouais, moi non plus. Parce que c'est un peu chez nous quand même, en plus. Ah oui, justement, donc. Mais c'est le plus, quoi. Permettez que j'appelle le propriétaire quand même, je lui donne. Mais il est pas là. Mais c'est moi le propriétaire. Oh,
Comment regardez, ça mais c'est moi Montazac. Je suis Donatien de Montazac, propriétaire du domaine. Tu as fait la même avec la voiture tout à l'heure. Bah oui. Vraiment? Ah bah bien sûr, bah pourquoi je mentirais? Je sais pas, je vous connais pas, monsieur de Montazac. Oui, bon, moi aussi j'aime beaucoup les blagues et tout, mais est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît, à des conversations un peu plus sérieuses, s'il vous plaît? Le propriétaire du domaine, c'est monsieur Tostica, madame Collins. Non mais c'est... Ah, non, c'est un sous-traitant que j'emploie. Un sous-traitant que vous employez? Bien sûr. Donc vous employez un sous-traitant qui a toutes les parts de ce domaine? Ah non, pas du tout, il n'en a aucune. Ah bah, excusez-moi, monsieur de Montazac. Ah mais je suis désolé, mais je crois qu'il vous ment. Miguel, on est d'accord que... Mon acte de propriété, Montazac, et puis on en finit. Mon acte de propriété? Non, mais... Ah, je l'ai donné à Fab. Oh, merde. Fab, qu'est-ce que tu viens de faire? Il vient de se moucher avec les papiers, non? Tu t'es mouché avec les papiers, Fab! Je me suis torché le pif avec les papiers. Ah bah du coup, bah on peut plus vous les... Mais vraiment, c'était écrit dessus, Fab! Vraiment, je vous promets! C'était inscrit à le contrat. C'était vraiment écrit dessus, hein, c'était... C'était vraiment écrit dessus, je l'ai... Ah, je vous promets, c'était vraiment... Fab, je vais y aller, hein. Ah, Donna, je vais y aller aussi, je vais pas tarder, Donna. Miguel, Gontran... Je vais pas dire au plaisir, hein, mais... Ah non, hors de question, hein. Moi, on sait jamais, quoi. Vous venez quand vous voulez, vous m'appelez. Bien sûr, mais toi pareil, hein, tu es toujours le bienvenu à Dubaï, à Moulis-en-Médoc, bien sûr, à New York. Oula, ça grimpe bien là. Oui, ça grimpe bien. Mais attention, la récompense est fantastique à la fin. Ouais, hein. C'est vrai. Oh, c'est un petit peu brouillardeux, mais c'est très joli. Hein. Très joli. Regardez le relief sur les montagnes. Bon, on va aller se poser un tout petit coup, puis ensuite on se retrouve à l'aéroport. Très bien. Bah écoutez, je vous dis au revoir. Oui, je vous dis au revoir, les croûtes. Et à très vite. Hein. À très vite. Et merci pour tout, Dantelo. Merci à vous. Bisous, ciao. Bisous. Salut. Et bah voilà, on y est. On y est. On est bien. On est bien ici. C'est le seul endroit sympathique de toute cette ville. Hein. Le seul endroit sympathique de toute cette ville. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ciao, Los Santos. Ciao.